Comment? C'est comment, c'est le thé? Voilà, c'est le Walkman du thé à thé. Enfant du Marocain, tout ça. Comment, c'est comment alors? Bon, vraiment, il y a certains hommes camerounais qui pensent que nous sommes des chèvres. Il y a certains Mazembe qui pensent que la page du Walkman, il n'y a que des taxis, des clients. Je suis étonné de voir certains hommes venir mentir devant une page qui est remplie de Camerounais à travers le monde. Et vous savez tous que les Camerounais sont connus comme des gens intelligents. Wise, Lexé, Cora, on est tous forts, on est tous professeurs, on est tous intelligents au Cameroun. Et tu viens mentir, joueur. Ce médecin urgent, tu es urgent, tu pars où? On est là, il y a beaucoup d'urgence. Il y a comment ici, mais urgent, urgent, faut m'améguer, menteur. Bref. Sur la page de Wama, il y a ce qu'on appelle une recherche de l'eau. J'ai déjà dit depuis des années, j'ai donné des conseils aux gens. La recherche de l'eau, c'est quelque chose qui permet aux gens de se mettre ensemble. Et sachez que dans la recherche de l'eau, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des voleuses ici qui volent de l'argent. Il y a des filles, Mazembe, on a stocké des hommes ici, on a stocké des femmes, on vole le cookie, on détache le cookie. À chacun de faire attention. Et la seule manière de faire attention, c'est de faire attention au flashing, au titre, aux choses qui font briller. Voilà une jeune femme qui a fait la recherche de l'eau sur ma page, il y a quelques temps. Elle a sélectionné, elle a sélectionné plusieurs hommes. Arrivé sur quatre, elle a sélectionné. Elle a trouvé quelqu'un avec qui ça allait. Apparemment, d'après le sujet, le gars lui a dit qu'il est médecin urgentiste. Mesdames, comme les hommes, certains hommes voleurs savent que vous aimez le titre, ils vous flashent le titre. Médecin urgentiste. Ils ont discuté quelques temps, même pas longtemps, au téléphone. Il a chauffé. Oh, ma mère veut le mariage. Oh, j'attends comme ça là. Oh, je suis célibataire. Elle ne sait rien du gars. Ils se sont donné rendez-vous dans le même pays, ils sont dans le même pays. Le gars arrive, d'après le sujet, ils ont passé un week-end merveilleux. Déjà, un homme sérieux, quand il vient voir une femme, il a de la retenue, il réserve un hôtel. Toi, la femme, tu lui dis, réserve l'hôtel. Tu as accepté de le voir, vous avez couché ensemble, c'était très beau. Elle dit, c'était très beau. C'est normal, tout ce qui est début, sucre. Il a couché, elle a couché avec le gars. Ils ont bien binda. Le gars est rentré 2 semaines après. Ils sont un modèle qu'on l'a affecté dans le sud du pays. La distance va permettre que. Oh, il était volage. Il ment. Les gens font les distances du doigt là, Paris. Pendant 5 ans. Les gens font distance, États-Unis, Cameroun. Les gens, mais même pays, il vient la distance. Il dit que la fille est très bien, elle a du caractère combatif. C'est un voleur de fesses, je dois vous dire, mesdames. Comme vous, les femmes, vous pensez que le métier détermine l'esprit sérieux de l'homme. Quand un homme est médecin, il est sérieux. Quand un homme est docteur, footballeur, il est sérieux. Ce n'est pas ça. Ce qui fait d'un homme sérieux, ce sont ses comportements. J'ai fait une vidéo une fois, j'ai dit que le mot je t'aime ne veut rien dire. Vous êtes tombé sur moi dans toute l'Afrique. Oh, il demande, on ne dit pas je t'aime. Oh, il ne dit pas pourquoi. Madame. Le mot jeté ne veut rien dire. Ce sont des actes. Un homme doit te montrer qu'il te respecte, pas des actes. Déjà, il est arrivé, tu devais être en tant que femme. Je voudrais faire un petit parallèle aux femmes de mes soeurs. Le fait que vous couchez avec des hommes facilement, ça nous arrange. C'est à vous de pleurer. Sachez que c'est votre corps. Même si on dit que dans un rapport sexuel, la femme et l'homme ont du plaisir. Mais c'est d'abord la femme qui a cette pudeur. Le corps de la femme doit être sacré. Elle n'est pas donnée à n'importe qui. Elle doit savoir qui entre, qui sort. Mais quand vous rencontrez un homme, premier jour vous couchez avec lui, il n'a plus besoin de vous en général. Vous allez me dire, je connais une copine qui a couché avec un gars le premier jour, ils sont mariés. C'est une sorte de loterie. En général, plus la femme se retient, plus la femme se retient, elle constate que l'homme c'est un voleur. Quand vous retenez, vous finissez par comprendre qu'il n'est pas patient. Il y a beaucoup d'hommes qui n'attendent pas. Vous allez savoir. Donc ce garçon est venu avec le mot flashing. Il a couché avec toi. Il n'a plus besoin de toi. C'est un voleur de fesses. Aujourd'hui, la femme maintenant vient maintenant. Oh, il est parti. Tu as vu? Pour dire que quand vous couchez avec un homme, c'est vous qui pleurez. Lui, il a passé à autre chose. Toi, tu es derrière maintenant. Oh, j'étais. Pourquoi tu fais ça? Tu as donné tout ton corps. Vous savez, quand j'étais petit au Cameroun, nos oncles disaient à nos tantes, n'allez jamais dormir avec un homme qui ne vous a pas épousé. N'allez jamais coucher avec un homme qui n'a pas fait les choses qu'il fait. Aujourd'hui, mes soeurs, vous vous donnez n'importe comment. Nous allons en profiter. J'ai dit, nous, parce que c'est un homme. Nous, on n'a pas de poids. On ne met pas le nom sur le mangala. Quand tu mets à terre, nous voulons après le sexe, le cerveau part. Vous donnez à un homme parce qu'il est médecin. Et d'ailleurs, ce médecin. Ça, je n'aime pas que les Camerounais mentent. Écoutez, je suis sûr à 90% que le gars la ment. Il n'est pas médecin. Il y a des Camerounais ici, infirmiers, ils disent aux femmes, médecins. Il y a des Camerounais ici, aides-soignants. Ils portent les caca des vieilles mères, des vieilles blancs, et médecins. Même des femmes mentent au Cameroun. Il y a des femmes ici, infirmiers qui partent au Cameroun, ils sont médecins. C'est des mensonges. Mes soeurs, si vous êtes une femme sérieuse, vous n'êtes pas un betterave bandit. Quand un homme te dit qu'il est médecin, dans tous les hôpitaux, on affiche le nom des médecins. Même sur Internet. Dans tous les hôpitaux en Europe, tu tapes médecin urgentiste, tu vas voir son hôpital, son nom figure, il s'appelle Monsieur Mbaga, il s'appelle Monsieur Kamga, il s'appelle Monsieur Etundi, il s'appelle Monsieur Abdoulaye. Tu vas voir le nom camerounais médecin. Comment vous êtes assez bête? Tu ne sais pas si le médecin, il te explique, c'est pas un chômeur. Il te dit que j'étais trop volage. Il t'a pas dit ça avant. Sinon, tu n'avais pas détaché au cookie. Et si la fille n'avait pas Minda, il aurait fait les distances plusieurs fois. C'est parce que tu t'es donné facilement. Et il voulait que ça. Un homme sérieux réserve l'hôtel. Donc, je voulais seulement dire aux jeunes femmes. Je sais qu'ici en Occident, on dit à la télévision que donnez-vous, couchez le premier jour, c'est la même chose. C'est votre problème. Moi, je suis un homme.
Je pouvais vous dire que coucher. Moi, je vous dis ici, ma petite soeur, ne couchez pas avec un homme que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Ou alors, quand vous couchez, prenez, criez comme le bœuf, prenez votre plaisir, mais ne pleurez pas. Ne venez pas vous attacher parce que quand vous donnez, après vous dites, ouais, je l'aimais, j'ai écarté mes pieds, j'ai accepté toutes les positions, il est parti. C'est normal, ce gars, c'est un voleur. Et vous voulez dire à ce médecin, petit frère, ou c'est petit, je ne sais pas quel âge tu es menteur. Tu n'es pas médecin, je suis sûr. Je suis sûr. Et bien, si tu es médecin, tu es marié. Sûrement, le gars est marié, il a les enfants. Il a trouvé un moyen de détacher au cookie. Il a menti la raison. Il fuit. Depuis quand la distance dans le même pays, c'est un distant man. Comment tu peux mentir le woman? Tu mens le père du modèle man. Que dans un même pays, il y a la distance. Oh, on t'a affecté. Il y a fiche comment t'as affecté. Tu es qui? Dans deux semaines, on t'a affecté comme ça par magie. Pour affecter quelqu'un, on prévient. On se lève pas matin, on dit, on t'a affecté là-bas. Même si c'est pour quelques temps. Parfois, c'est pour un mois, deux mois. On t'a affecté pas définitivement. Et même dans un même pays, le train. Pour Bina, tu as fait combien de kilomètres pour venir Bina? C'est parce que la fille a libéré le coquille et tu t'es trouvé. Et en plus, le gars pousse le vice. Il dit, je te propose de vivre ensemble comme ça, mais plus de sérieux. C'est-à-dire, il propose à la fille de Mina de temps en temps, comme tu as aimé le sexe, mais plus de sérieux. C'est un voleur de fesses. À vous, mesdames, si vous êtes sérieux, mesdames, parce qu'il faut aussi voir votre façon de faire. Aimer les hommes parce qu'ils ont les titres, vous allez payer le courant. Quand vous rencontrez un homme, vous devez dire à cet homme, voilà mes critères, voilà mes principes. Je suis une femme qui va doucement. Prenons le temps de se connaître. Tu viens me voir, on va à l'hôtel, dans ton hôtel, on se promène, et puis c'est tout. Prenons le temps. Deux ou trois voyages, si c'est un volet, il va fuir. Bon, il y a des hommes qui vont attendre deux ou trois ans, mais généralement, ils vont fuir. Mais s'ils viennent, comme il est médecin, tu te donnes, et tu viens pleurer, pourquoi? Ce gars a volé. Donc, je voulais dire à ce petit frère-là que tu as volé les fesses, c'est bon. Tourne la page. Arrête de proposer ça à la petite sœur-là. Tu as cassé son cœur. Si tu la respectes, laisse-la tranquille. À cette fille-là, les prochaines fois, faites attention à tous les hommes qui viennent. C'est mon conseil. Tu t'as sujet la canette. Ta femme que tu as recherché dans le page. Mange-moi ce en bout de deux, c'est trois semaines. Bouizi, même jour à cette ville. Azibo, mange-moi un bas, voilà, boire tout le temps. Mange le nom d'un crime barre mon côté. Baba ta bonne femme barre mon côté. Nous n'en sommes pas à quoi soit. À quoi? Mange-moi un zimbo. Mange-moi une musique, bouizi, mange-moi. Beaucoup de monde. Boutouane. Au bout de mes jours, valeur, mange-moi, c'est une autre, toi, la famille, beaucoup de gens, mange-moi. C'est bon, tu vois, Azimbo, là, quand on est cheminé ensemble. Comment on prend le téléphone? Mange du bardou, papa médecin est gentil. Deux semaines, on commence, on commence à jongler, on va dans le ouais, nous, c'est à Krenen, non, c'est Krenen. Ouais, ah oui, il m'a volé, ouais, il est malheureux. Et en plus, au bout de l'eau, ou quoi, oui, Zanouya, besoin de l'eau, on est tout bon, bonjour. Baba maka tu bombe mais je n'ai pas ta partage pas ta égalité aussi ma bague tu as plus du plaisir alanda donc mes sœurs camerounaises si vous êtes une femme sérieuse faites attention au titre regardez l'homme pas son potentiel qui vous montre progressivement un homme te dit je t'aime dis-le que prouve-moi une femme te dit je t'aime dis que gars prouve c'est pas le comportement je suis pas de l'adepte des gens qui disent je t'aime les gigolos disent je t'aime à tout le monde le gars là venu dit qu'il t'aime qu'il est médecin il t'a flashé tu as écarté donc le coquin a été volé. Le voleur est parti. À vous, mesdames, dans les recherches d'Ondolo, il y a du bon, il y a du mauvais, comme dans la vie. À vous d'être attentif et de faire attention à votre corps. Si vous ne voulez pas, couchez avec qui vous voulez, pleurez comme vous voulez, personne ne gère. Mandawa, on fait comme ça.